Salut tout le monde, comment vous allez? C'est toujours votre homme serviteur Eriton. Aujourd'hui, je suis en blanc noir, c'est plaisant comme ça. Voilà, souvent il faut changer parce qu'on dit bon, votre Eriton n'est pas propre. Bon, il porte les mêmes habits et tout ça. Donc, en attendant que j'achète de nouveaux habits, je vais faire ce genre de montage vite. J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, cette vidéo-là, avant que mai ne finisse, je devais la faire. Je devais impérativement la faire parce que franchement, vous savez, vous connaissez déjà mon bord, mais franchement. En face de moi aussi, il faut reconnaître qu'il y a un hit. Il y a un hit qui fait vraiment tache d'huile. Mais si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je veux vraiment avoir vos avis en commentaire après ce que je vais vous dire. Voilà, c'est très important. Donc, on va juste prendre après le générique, les amis. Il s'agit là de Twek, de DJ Mix versus Amina d'Ariel Chiné. J'attends vos commentaires. On se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je possède à des firmes, des firmes. Bon retour, les gars, bon retour. Toujours irritant, vous connaissez, vous aimez irritant, vous faites malin, vous faites semblant. J'espère que vous allez très bien. Bien avant de parler de Twek, de DJ Mix et Amina d'Ariel Chiné, n'oubliez pas, je vous en prie, 500 abonnés pour Princesse Rima. 500 abonnés pour Princesse Rima. Vous êtes seulement qu'à 125 abonnés pour qu'ils vous donnent le cadeau. Voilà, je vous dis que le morceau de téléphone parle de vous, parle de moi, parle de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à leur donner de la force. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Ok. Bon, je tenais, comme je vous disais en début de vidéo, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que, franchement, pour moi, actuellement, je ne suis pas en train de vous dire que Moto DJ Arafat n'est pas Chico parce que je vois bien les démos santé les prendre partout en boîte de nuit. Je sais, on est chez Héritage de Cherche TV et Héritage de Cherche TV est en train de faire, on va dire, on appelle ça comment en bon français là, son enquête. Voilà, je suis en train de mener mes enquêtes pour voir un peu, selon mes abonnés, c'est quoi leur préférence en fait. Voilà, c'est ça l'objectif de cette vidéo-là. Donc, ne mélange pas les choses. Actuellement, il y a beaucoup de hits. Il y a Bébé Filmé qui a sorti hors série. J'ai parlé de ça ce midi-là. Et ce soir, je vous parle de un versus qui me tenait à cœur. Et c'est vous qui allez m'aider à vraiment départager ces deux hits-là. Moi, perso, je vais pas vous mentir parce que je remarque souvent, les gens disent non, faut être impartial. Et arrêtons d'être hypocrites, les amis. Ne soyez pas hypocrites. Chacun a des préférences. Mais tu respectes le travail de celui qui est en face de toi. C'est comme ça que je le respecte, Amina d'Ariel Chiné, parce que j'ai fait la promotion d'Amina d'Ariel Chiné ici. Ou bien les fans d'Ariel Chiné, je suis en train de mentir. Vous savez ce que j'ai fait pour Amina d'Ariel Chiné depuis le début jusqu'à la fin. Et jusqu'à actuellement, Amina d'Ariel Chiné continue de contrôler. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que normalement, l'effet que devait avoir toi avec DJ Mix n'a pas eu. Donc je ne comprends pas. C'est parce que Amina d'Ariel Chiné est trop lourd. L'effet d'Ariel Chiné est trop dévastateur que, bon, toi, DJ Mix a du mal à vraiment bouger sur YouTube. Sinon, dans les boîtes de nuit, sans vous mentir, hein, sans vous mentir, pour ceux qui sont des hommes de nuit qui sortent souvent, Amina d'Ariel Chiné est très intéressant. Ça fait bouger en boîte. Mais toi, DJ Mix en boîte, les amis. Ah putain, laissons la boîte même. Ceux qui ont les woofers, c'est-à-dire les home cinéma chez eux à la maison, mettez-toi des lumières et puis écoutez. Vous êtes emballé, vous oubliez tous vos problèmes. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de l'iceberg. Et l'iceberg, c'est quoi? C'est l'album Empire de DJ Mix. Les amis, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je respecte le travail d'Ariel Chiné. Parce que, comme on dit, Amina cartonné. Amina est chic. Mais avant même que vous donnez vos avis en commentaire, là, le côté sensible d'un héritage, c'est toi et DJ Mix, franchement. Honnêtement. Le morceau, c'est un hit. C'est un hit de malade. Structuration musicale, top. Le chanter, rien à dire. Le clip vidéo, il a tué. Mais pourquoi jusque-là, en émoi, DJ Mix n'a pas encore atteint au moins 500 000 vues? Pourquoi? C'est ce qui, moi, me dérange, en fait. De vous à moi. Parce qu'il faut dire aussi que actuellement la concurrence est tellement rude. Il y a tellement eu de hits qui sont sortis. Faux Barra de DJ Léo, Moto de DJ Arafat, Débrouillé, Débrouillé de Serge Beno. Vous voyez un peu, non? Peut-être que c'est tout ça qui a fait que DJ Mix est un peu frileux. Un peu frileux sur YouTube. Hein. Moi, je précise bien quand je fais l'analyse. Écoutez bien mes propos sur YouTube. Mais normalement, si je fais cette vidéo, c'est parce que vous voulez, je veux que vous donniez de la force aussi à DJ Mix parce que c'est un bosseur silencieux. Pas besoin de faire du tapage, il rentre en studio, il bosse bien, il met le morceau, vous écoutez, vous appréciez. Regardez même les likes et les dislikes.
une grande différence. C'est évidemment que le morceau est bon, mais comme on dit, chacun a sa chance. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Chacun a sa chance. Actuellement, sans vous mentir, pour cette année 2018 là, non, 2019 plutôt, Arène Chennai a vraiment, vraiment de la chance. Pas seulement de la chance, parce que vous savez qu'il est pétri de talent aussi. Voilà, on est tous d'accord, on est tous unanimes que Amina d'Arène Chennai, c'est un gros hit. C'est un gros hit. Et il a tellement été intelligent de collaborer avec Marais Mobile, qui a une grande audience américaine. Donc vous savez que le clip va forcément, forcément voyager. C'est pourquoi vous explique. C'est pourquoi vous voyez toutes ces vues-là grimper, grimper, grimper. Il va bientôt faire, je crois, 10 millions de vues en moins de 2 mois. Franchement, c'est à applaudir. Et c'est à féliciter parce que Arène Chennai, par Amina, essaie de montrer que le coupé décalé se fait vendre. Voilà. Parce que le truc, c'est quoi? On me dit que c'est pas du coupé décalé. Mais je suis désolé. C'est pas du coupé décalé, mais c'est un artiste coupé décalé qui a chanté. Donc, on parle du coupé décalé. Je suis désolé. Voilà. Arrêtez de vouloir diminuer mon coupé décalé là. Je me rappelle quand mon coupé décalé a commencé, on dit qu'on ne mettait pas les textes. Donc, considérez que ça, c'est un homme coupé décalé qui a voulu chanter sur un autre beat. C'est tout. Donc, ça fait, c'est du coupé décalé. Arrêtez vos histoires là. C'est un artiste coupé, c'est pas un artiste Zouglou, c'est pas un artiste R&B, c'est pas un artiste rap qui a fait ça. C'est un artiste coupé décalé. Donc c'est encore, c'est un produit coupé décalé. Ça vient d'Arène Chennai. Donc faut reconnaître que le petit, il a vraiment vraiment mis la barre très haute. Il a vraiment mis la barre très haute. C'est vrai que Didier Arafat était tellement venu pour le titiller, mais actuellement c'est un peu difficile pour Moto Moto. Sur YouTube, je précise sur YouTube, mais je veux que vous m'aidiez à vraiment rendre ce verdict là. De vous à moi. Fanatisme à part. Parce que si ce n'est pas fanatisme, vous allez forcément choisir soit Miss ou soit Arène Chennai. Quand vous écoutez les deux morceaux, quand vous écoutez les deux morceaux, excusez-moi, ça travaille à côté dans notre maison, donc désolé pour le bruit. Mais comme je suis obligé de vous faire des vidéos, c'est pourquoi vous entendez tous ces bruits-là. C'est tout ça aussi. Bientôt, quand Eritor aura son studio et tout ça, vous n'allez pas entendre ce genre de bruit-là. Donc vraiment désolé. Je m'en excuse. Ah, voilà. On fait avec les moyens de bord. Donc, comme je disais, de vous à moi, mon fanatisme à part, à votre avis, toi, DJ Mix et Amina d'Arène Chennai, c'est quoi votre choix? Je veux voir votre choix en commentaire. Parce que si vous regardez cette vidéo-là, si vous êtes 10 000, je veux voir au moins 500 commentaires. Je vous en supplie. Voilà. Parce que actuellement, ce débat-là, ce n'est pas seulement au niveau des écouteurs de chasse civile. Mais même quand je sors, on dit qu'actuellement, le morceau qui est vraiment, vraiment chic. Après Amina d'Arène Chennai, c'est toi qui dis DJ Mix. Moi, je ne dis pas après. Moi, vous savez que c'est mon coup de cœur. Donc, je vais dire après toi qui dis DJ Mix, c'est Amina d'Arène Chennai. Franchement, le morceau est trop intéressant, les amis. Le morceau, il ne sait pas comment Mix il est. Hein. Mais il a une facilité de chanter qui ne se définit pas, en fait. On n'arrive pas à expliquer ça. Donc, j'ai vraiment besoin. Il regarde, hein, je vous dis, il nous regarde. Quand je dis il nous regarde, il regarde Eritor, il regarde les commentaires de l'audience d'Eritor. Donc, jugez, voilà, je veux voir vos avis en commentaire. Dites-le, il faut qu'ils viennent lire. Au moins, ils vont savoir qu'ils doivent travailler encore. Soit Arèche va se dire, mon ami Arèche, c'est vrai que ça fait beaucoup de vues, mais apparemment, l'audience de ce jeune-là, de ce jeune blogueur, de ce jeune chroniqueur-là, dit que c'est toi, DJ Mix, hein. Ou soit, ah, DJ Mix, tu as bien fait, mais bon, Amina d'Arèche est trop. Voilà. Ils lisent mes commentaires, donc ne vous gênez pas de commenter mes vidéos. Donnez votre avis sur cette vidéo-là, j'ai besoin de voir votre avis. C'est très important. Parce que c'est trop facile de venir. Dit que Amina d'Arène Chennai contrôle parce qu'Amina d'Arène Chennai a fait beaucoup de vues. Même si mon mix n'a pas encore fait le million de vues, ce clip va atteindre le million de vues. Le temps que ça va faire, ça va atteindre ça. Parce que ce clip-là, d'abord, un, mérite le million de vues. Le morceau mérite le million de vues. Et l'artiste même mérite le million de vues. Le lien en description. Le lien. Parce que Amina d'Arène Chennai a toujours été en description et ça dort en description actuellement. Mais je vais mettre maintenant, toi avec DJ Mix, le lien en description. J'avais omis ça. Mais ça sera en description. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, parce que je sais, YouTube est tellement bizarre, tu peux avoir 500 000 personnes qui te suivent, mais tu peux faire 50 000 vues. Il y a des gars qui sont là, ils sentent seulement que quand tu fais quelque chose qui les intéresse, donc il ne faut pas les en vouloir, c'est comme ça que ça marche en fait. Voilà. Donc, les amis, je compte vraiment sur vous. Commentez. Je veux un vainqueur. Voilà. Je ne parle pas de DJ Mix est fort que Arène Chennai. On a quand même été un peu sérieux. Les hits se comparent, mais les talents ne se comparent pas. Parce que chacun a sa spécificité, chacun a ses qualités. Je parle des hits et je compare Amina d'Arène Chennai à toi de DJ Mix. Et c'est vous qui allez m'aider à donner le verdict. Voilà, je l'ai fait avec Ibawan et Sidiki Diabaté. Et cette fois-ci, c'est sur deux hits, les hits de Mix
et Darrell Chiné. Je vous attends en commentaire. Ne vous gênez pas de commenter avec vos arguments surtout. Que Dieu vous bénisse. C'était Hériton. Ciao, ciao.